Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Afin de comprendre la lecture du grand texte en prose, il est nécessaire d'assimiler certains paramètres de lecture les plus importants. Ainsi, Nostradamus a créé les points voyelles, les points consonnes et les points de suppression de lettres. Lors de la découpe d'un mot en pied poétique ou lettre par lettre, de chaque côté de ce mot se créent des espaces blancs. Ces espaces blancs en imprimerie seront appelés les approches. Ces approches serviront pour ces points voyelles, ces points consonnes et ces points de suppression de lettres. Il se servira également de l'esperluette ou ligature que nous allons voir tout à l'heure. En plus de ses fonctions, il s'en servira comme joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale P égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, elle seule ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V, V égale U et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, où sera le diminutif de temps, et vice-versa. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes, et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.